Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre. Bon, c'est aujourd'hui que je commence. Après avoir fait visiter toutes les arènes de Mégmasturé et de Belay, là, ça va être rendu le tour des Pokéstops qu'il y a alentour de moi. Pour Belay, il y en a près de 200. Oui, près de 200 Pokéstops. C'est quand même beaucoup pour quand même une grande ville, une moyenne ville, je devrais dire. Parce que si on va, par exemple, à l'île de Montréal, ça, c'est une très grande ville. Super de grandes villes. Il y a beaucoup d'espace, puis je peux vous dire, je suis sûr qu'il y a presque 10 fois plus qu'ici. Mais j'irai pas jusque là-bas parce que, d'un, c'est trop loin, ça me coûterait de l'essence, puis aussi du stationnement. Mais par contre, il se pourrait qu'un moment donné, je fasse visiter un petit peu Longueuil. Qui est tout juste à côté du pont Jacques-Cartier pour s'en aller aux îles de Montréal. À l'île de Montréal, pardon. Bon, aujourd'hui, ben, je vais visiter toute la rue des Chênes parce qu'il joint le boulevard Yvon Le Renard et ça s'en va jusqu'à l'autoroute 116, que le boulevard Sir Wilfrid Laurier. Et les Pokéstops, pour le nombre de Pokéstops, incluant les arènes, qui sont aussi des Pokéstops, il y en a environ 22. Fait que, aujourd'hui, je vais visiter toute la rue des Chênes au complet. Parce qu'il y a quand même des Pokéstops. Ben, sur les Pokéstops, c'est quand même intéressant. Bon, si on va, comme ici, pour le premier, Paco Boomerang, kilomètre 2 de la piste jaune et bleue. Panneau directionnel. Bon, qu'est-ce que ça dit d'autre? Rien d'autre, mais voici la photo. C'est pour un défi de parcours, genre. De course, genre des gens qui font la course à pied. Puis en même temps, ben, je vais activer l'ensemble d'aventures quotidiennes qui dure 15 minutes. Fait que je vais marcher en même temps que de vous présenter chaque Pokéstop. Fait que essayez de bien suivre parce que ça va aller vite. Et nous avons un panneau quiz 2010 à 2020. Mettez vos connaissances à l'épreuve. Donc un petit questionnaire pour les gens. La photo qui est ici, voilà. Maintenant, poursuivons notre route. Ah oui, c'est vrai, avant tout, je vais changer de Pokémon. Changer de copain. Donc, qui que je vais prendre maintenant? Oui, je ne l'ai pas fait, on dirait. Je l'utilise quand même assez souvent. Veuillez m'excuser de l'introduction. Ma vidéo a tout simplement coupé sans prévenir. Fait que là, on était rendu à 1, 2, on est rendu au 3e. Donc, j'avais dit panneau quiz, mettez vos connaissances à l'épreuve. Voici la photo. On continue avec l'autre pour le prochain Pokéstop. Pour l'instant, il n'y a rien de changé à mon écran. Peut-être avoir une chance d'avoir un légendaire pendant ma marche, je ne sais pas. On verra.
Voilà, là, un panneau de quiz 1990-2000. Voici la photo. Voilà. Je suis rendu à comment, là? À combien de cadeaux, là, que je suis rendu? À 14, OK. Ça veut dire 6 de plus. Bon, on continue ma marche. Ça va avoir une durée d'environ 20 minutes. Voici le prochain Pokéstop. Bon voyage, Rallye Nature, Station 3. Part of the series of 10 information signs on nature located on the bike path next to the Belay Golf Course. Donc, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une série de 10 signes d'information sur la nature locale sur le sentier où passent les bicycles. Sur le chemin du golfe de Belay. Prochain. Panneau quiz 1970 à 1980. Mettez vos connaissances à l'épreuve. S'il y a deux photos, je peux voter pour celui que j'aime le plus. Pour l'instant, il n'y a pas rien de différent entre les deux. Bon, il y a quelqu'un qui m'a supprimé. Ah, c'est sûrement l'autre gars qui avait un cadeau, puis il manquait juste un cadeau à ouvrir pour 100 000. Je pense que prendre est arrivé au niveau 46 bientôt. Je vais donner une coupe de cadeau. Avant de poursuivre, je vais même en ouvrir quelques-uns. Ça vient de l'Irlande. Une belle bâtisse. Je vais mettre dans ma carte postale. Et comment savoir que la chose de métier est augmentée? Ben c'est par le cercle bleu. Fait qu'il faudrait attendre à demain pour ouvrir un autre cadeau. Ou si j'envoie un cadeau à quelqu'un, ben il faudrait qu'il ouvre le lendemain.
Il y en a un qui n'a pas encore ouvert mon cadeau, mais moi j'ouvre souvent. Oh, c'est beau, c'est des petits fleurs là. C'est un Pink Rhododendron Cosette Box and Lowy. Utterly Box and Dean in a Garden. Ça vient de Colombie-Britannique, ça. Donc au Canada, dans une autre province comme. Bon, il y a des personnes qui ouvrent des cadeaux en ce moment. C'est embêtant. Très embêtant, ça. Et là, je le vois assez souvent, cette image-là. Tatou. Et l'autre France. Un beau graffiti, une belle ninja rose, street art. Pour dire art rural. Assez beau, hein? Vient de l'île de France. En tout cas, c'est dans ce genre-là. Dans l'île de France, ok. À date, ça ouvre mes cadeaux de tout, puis il serait de zéro là. Je vais commencer à vider un petit peu les cadeaux là. On va aller voir les plus récents. Oui, ils m'ont ajouté pour. Oublions Dakarian Master. Lui, c'est un joueur que je sais qu'il ne viendra pas, mais je l'ai pris parce que je l'ai juste pris parce que c'était un de mes amis sur VGR. Donc, il n'y a pas de risque qu'il soit effacé, même si je joue faux jeu. Oui, il n'y a aucun qui ouvre des cadeaux, on dirait. Non, ça n'a aucun cadeau. Ils m'ont ajouté pour les. Parce que j'avais dit d'avoir des gens pour les rares de niveau 5, mais personne n'a de cadeau. Hey boy, les cheaper. Bon, on va envoyer un autre cadeau à lui. Thunderlaw. C'est sûr que ça vient des États-Unis, ça, ou du Canada, quelque part dans le Canada. Oui, Toronto, Ontario. Oh, une belle petite fontaine. Wow! C'est belle la fontaine. Saint-Gabriel Fontaine. Fontaine de Saint-Gabriel. Je ne connais pas cet endroit-là. Je pense pas avoir déjà été dans ma vie. Mais je suis déjà passé à Toronto, par contre, une fois dans ma vie. Quand j'étais très jeune. On était en famille en Allemagne. Oh, quand même, un gros 5, je pense. Je pense pas que ce soit un 5, mais en tout cas. Pourquoi je suis un ami stupide manqué de maintenir, je sais pas. Ah, le gars de Brossard. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé aujourd'hui? Ah, le panneau d'accueil du parc Perron. Oh, avec un beau petit autocollant. De dessaliant. Avec des piliers qui se promènent autour. Faut qu'ils se sont perchés là.
Ah oui, il me l'a envoyé aujourd'hui, ce cadeau-là. Du Queensland en Australie. Oh! Oh, ben, qu'ils font peur, ces poissons-là. Ok, JY91 est là. Mais je ne le vois jamais ouvrir mes cadeaux. Il ouvre très rarement mes cadeaux. Il m'en envoie très rarement aussi. Je sais pas là. Je sais pas ce qu'il y a avec lui. Ok. Ok. Des immeubles en Pays-Bas. Un pack d'immeubles, ok. Des petits roses de la France. Lyon, Auvergne, là. Quoi ça? Près de l'artiste Maxime Ivanais lors du festival culturel. Peinture fraîche. Ouais, une belle image, quand même. Je sais pas si c'est fait en pastel, cette affaire-là. Mais quand même une belle œuvre d'art en France. Non, Jay Watts Erigan n'a toujours pas ouvert mon cadeau que j'ai offert, je pense, il y a là un jour ou deux. J'ai déjà fait le tour. Et presque. Où est-ce que j'en étais? Bon, c'est pas grave, mon affaire quotidien est disparu, mais ça, c'est pas trop grave. L'important, c'est de vous présenter les Pokéfobes de la ville de Belay. Bon, je dis que les attaques sont éliminées. Bon, j'ai quand même obtenu mon 50 pièces de la journée. Et il reste juste ma hérisson. Mais pour ma hérisson, je veux dire mon bien d'équipe. Dans le secteur Serge Pépin, voir Yvon Le Renard et Richelieu. Dans ces eaux-là. Bon, juste un cadeau, ok. Ça. Ok, je trouve que je suis rendu ici. Ok, donc panneau de quiz 1970 à 1980. Et ensuite, nous avons cette arène-là.
Mon copain est présent, j'ai pas besoin de le prévenir. Il a été mis dans la saisie automatique. Plus d'une journée que ces 6 Pokémon sont là, fait que on va tous les éjecter. 6 joueurs vont obtenir 50 pièces aujourd'hui. En espérant qu'ils vont pas m'éjecter parce que je viens d'obtenir mon 50 pièces aujourd'hui. Jean-Michel. Hein, je l'ai vu hier, je pense. Non, avant hier, excusez-moi, c'est vrai, j'ai pris une pause hier. Je savais pas que lui, il venait dans ce secteur-là. Et dans le mien. Ouais, Ramsey Billy, je l'ai vu il y a pas deux jours. Dans une arène. En fait, il n'y a pas justement qui fait de la marche ici. Ouais, des grosses marches. Bon, puis une bouffée d'air ferralie nature, ça sont 4. Ok, une part de série de 10 signes comme tantôt, allons voir l'image. La station 4, qui est tout juste, non, c'est pas là, c'est l'autre à côté. Bon, parcours boomerang, marqueur de piste jaune et bleu sur la... J'enlève des objets hein, dans mon sac, mon micro. Il est plus gros, c'est pour ça, genre, que ça fait des dégâts normaux. On a eu beaucoup de portes de cœur, puis les cibles de la Team Rocket Go, ben, ils n'utilisent pas de bouclier pour se protéger.
Un point de temps, ok. Ça fait rare ça que je m'envoie sauver ça. On a pris, je pense que c'est la première fois que j'en vois un. Bon, il n'est pas très bon. Je vais le purifier après ça. Get out. Une fois qu'on l'a battu, bien, on peut obtenir des objets supplémentaires. Chaque fois qu'il y a un cible. Bon, voilà. Maintenant, panneau quiz 1960 et 1970. Petit rendu à combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ça fait déjà 10 pas questions que je peux visiter. On va aller pour l'onzième. Ah, tiens, il y a une méga invasion qui s'en vient. C'est méga le copain. Dans 5 minutes et 50 secondes. Bon, insectes en hiver, rallye nature station 5 cette fois-ci. Voilà. Ça, ça n'a pas changé depuis des mois. Bon, allons voir tout ça. Non, pas la même chose que tantôt. Il faut qu'après ça, il va y avoir un requête que je pourrais obtenir. J'en ai déjà un en ma possession que je n'ai pas utilisé encore. Je pense que j'ai comme dit jusqu'à temps que je trouve un nouveau Pokémon légendaire. Je vais essayer de poigner deux fois. Ah non, c'est vrai, j'en ai deux. En tout cas. Bon, ça c'est beau. C'est assez bizarre, ça devrait apparaître automatiquement dans ce temps-là. Ça a pris long avant qu'il y ait un nouveau texte. On va compléter une carte spéciale. On est déjà comme à la troisième partie. Non? Mm-hmm. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui m'a effacé.
Bon, qu'est-ce qui se trouve là-dedans? J'ai peut-être un peu de temps, oui, j'ai le temps. J'ai le temps de placer une... J'ai peut-être un petit Pokémon avec ça. Juste un Pokémon à éjecter. Fait que je vais l'éjecter tout de suite, puis ça va être fini. J'aurai deux arènes pour moi. Ça, c'est la station 6. Wow, avec des petits oiseaux. Oh, Seigneur, cette arène-là est au niveau 30. Wow! C'est bon, ça. Bon, maintenant, allons voir le prochain. C'est pas grave si j'ai des gaspillages d'affaires quotidiennes, c'est moi qui n'ai pas bien géré mon temps. Oui, ça c'est notre drapeau national. Hein? La fleur de laurier. Un beau drapeau. On fait toujours partie du Québec, on n'est pas dépendant. Mais ce sera ce genre de drapeau-là qu'on a ici au Québec. Pour notre province. Ah, il y a deux photos. Ben, c'est le même. Prochain Pokéstop maintenant. Oh boy! Par exemple, si je fais des super beaux ou des super beaux, ça me dérange pas que j'en ai en masse. J'en reçois toujours avec les cadeaux que j'ouvre. Il n'y a pas de panique avec ça. Bon, là, on est rendu à... Oh boy, ça y est, j'ai perdu le décompte. J'ai perdu le décompte du nombre de Pokéstops, j'aurais dû les compter comme il faut. Bon, au pire des cas, je vais marquer en commentaire sur cette vidéo. C'est ça que je vais faire. Je vais faire une playlist pour les Pokéstops de la ville de Belay. Je ferai la même chose pour les autres villes que j'ai visitées.
dans le futur. La station 8 avec Crestville ou Antilien. Et là, il va y avoir le pocket-up pour l'entrée du golfe de Belleuil. Donc, on peut juste avoir accès à une journée X dans Belleuil. Et oui, ça veut dire que les gens de Belleuil peuvent juste jouer durant une journée X de la semaine. Ils n'ont pas quand ils veulent. Je me souviens quand il y a 2 ans de ça, quand on a été voir avec ma mère et mon père. Ça va être tout demandement de la ville où que vous êtes. Vous êtes jouer à telle journée. En plus, c'est un golf privé, fait que. Ça coûte ça de l'anonymie pour jouer là. Faut être membre là, oui. Oui, là. Je ne peux pas jouer dans ma propre vie quand je veux. Bon, ok. On voit les informations, ça dit que le club de golf fondé en 1923 en plein cœur de la ville de Belleuil. Ouais, mais on peut même pas jouer n'importe quand, c'est ça l'affaire. On peut justement jouer à une certaine journée. C'est ça que je trouve bizarre pareil. C'est parce que je peux même pas jouer n'importe quand dans ma propre ville au golf. J'ai les bâtons de golf. Bon, maintenant. Je vais battre le type tout ici. Je vais essayer de tenir un autre Pokémon obscur. Ces jours sont en dehors, ça va être le type électrique. Ça dérange rien. De toute façon, j'utiliserai même pas ce qu'on soit tout. Type électrique et type plante. Faut que j'utilise. Un Caminus. Ça peut être des fois le deuxième Pokémon aussi que vous obtenez une fois que vous avez battu le cible. De l'équipe Rocket B. C'est comme une partie de la liste.
Je les ai purifiés pour augmenter ma jauge vers la platine. Pour que les Pokémon purifiés. C'est aux alentours de 100, je pense. Il m'en faut 1000 pour. Ça, je pense. Les 2000 pour les cibles battues. Pour avoir la platine pour cet objectif-là. Pour ces points. Ils sont tous boostés. Ils vont changer le temps pour ici. Je pense qu'ils vont changer pour ensoleiller. Ou de vanter. Pas trop pire, mais j'ai déjà un 1,96, fait que je vais lâcher une autre pelle. Non, c'est toujours venteux. C'est bizarre que qu'il n'ait pas eu le son boost. Ça, c'est bizarre, ça. C'est tout ténèbre qui vole. Cornèbre, je comprends pas. Bon. C'est beau. Bon, on t'avait d'arriver à l'autre bout de la rue des Chênes. Il s'en contre pas que ça va vous faire visiter. C'est la station numéro 9. Pour le chargement. Bon, voilà. Avertir, c'est sympa. Quoi, tu veux combattre?
Je connais pas ces Pokémon, je peux pas le savoir c'est quoi. C'est sûr qu'il va avoir un. De ouf ouf. Quoi faire elle? Ça les autres Pokémon. Ça les autres Pokémon qui sont à côté, ben ça sera pour une autre fois parce qu'il ne fait pas partie de ce que je veux présenter. Wow, ça a été créé par une artiste d'ici, c'est pas pire en tout ça. À l'été 2020, c'est très récent. Wow! C'est vraiment beau, hein? Maintenant, on va finaliser la vidéo avec un Pokémon à capturer. Et 10 000 Pokéficiales que j'obtenais. Et disons que ça termine mon premier épisode des Pokéstop à Bel-Oeil. On en fera d'autres plus tard. On en fera d'autres plus tard, si vous êtes intéressé. J'ai été chef de collection de ma ville. Moi, j'aime ça, faire visiter ce qu'il y a alentour. Bon, ben voilà, ben mes études de Finchnuit sont terminées. Fait qu'en attendant, le plus grand événement apparaît en nature. Objet pour abattoir à prix réduit dans la boutique. OK, les Pokémon d'événement apparaissent dans les raids. Les Pokémon d'événement sortent des œufs. Rencontre avec des Pokémon d'événement après une étude de terrain. Les visiteurs inattendus de l'événement dans les clichés de Pokémon Go. Habituellement, vous avez droit à 5 par jour. Allez, juste pour l'app de fun, on va l'en faire.
Et je m'excusais encore de l'interruption, ça l'a encore coupé pour je ne sais quelle raison, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Donc, juste pour finaliser la vidéo, ben, j'ai capturé un cours aquarelle, mais il n'était pas à mon goût, donc je l'ai effacé. Quelqu'un m'a invité pour mes galopins, mais je n'ai pas le temps de le rejoindre. Malheureusement, c'est ça. Mais c'est pas grave. On essaiera une prochaine fois. Fait que c'est tout pour les Pokéstops de la rue des Chênes. Donc, je ferai un autre épisode la prochaine fois pour la suite des événements. Fait que ça, tout le monde, c'est un bon après-midi. Hey.